Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Notsoberry. On est tellement content de vous retrouver. Quoi, je suis de la fatigue moi aujourd'hui, donc je fais de la merde. On se retrouve. Attendez, on était samedi matin. Ah, samedi matin, l'empereur. Ça reformait le petit prince. Et Toya, il est beau gosse et j'aimerais bien lui faire. Voilà. Donc on est malheureusement accouché d'un gosse du sexe masculin. Malheureusement, c'est le cas de le dire. Hein. On regrette tous évidemment d'avoir osé faire un troisième enfant. C'est un enfant qui ne sera bien sûr pas dans le comment ça s'appelle l'élection, parce que c'est un garçon. Ou alors on lui coupe les couilles. Là, ouais, possiblement, il sera possiblement héritier. Et donc, Pam a enfin vieilli! Parce qu'elle n'avait pas vieilli, madame avait pris du retard, hein? Elle a un petit peu. Hein? Attardé cette celle-ci. Lui faire un gosse. De quoi lui faire un gosse? Ah, Antonia! Bah, j'aurais du mal, hein? Il est fait de pixels, hein? Si je me rentre l'écran dans le vagin, je sais pas comment. Déjà, je sais pas comment ça rentre. Hein. Oui, un garçon. Non, pas de garçon. Antonia, ton crotte toujours tout nu avec son pyjama couleur chair. C'est pêche, madame, attention. Donc, Pomme a vieilli, elle sera 1, 2 et 3, 0 angélique. Et c'est aussi une blondinette pouette-pouette, un peu comme Marinette. Et elle a les neuils. Elle a les neuils bleu-vert, comme sa sœur. Merveilleux. Moi, j'ai envie de dire, on aura l'embarras du choix. Hein. Deux filles, putain, cette coupe de cheveux. Deux filles et avec toutes les deux les mêmes yeux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc Popo m'a revieilli, voilà, elle est triste parce que mon rongeur me manque. Merci de remuer le couteau dans la plaie de la plaie. Madame Pomme, merci beaucoup. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais laissé crever ce pauvre Roger. Tu es bien aimable. Pourquoi elle fait pas de bruit? Elle est muette? Ah non, c'est bon. Bon. Par contre, elle a les lunettes qui s'accordent avec le papier peint de sa génération, c'est merveilleux. Les cheveux au cou. Pour le garçon, un accident s'est vite arrivé. Mais oui! C'est dommage. On va l'oublier sur une aire d'autoroute, le pauvre. Oh. Puis comme on l'avait pas pucé, ben on peut pas le retrouver. Quel dommage! Qu'est-ce qu'elle fout? Elle va bouffer. Mais t'as pas dormi? Alors, est-ce que lui. Il dort? Non. Est-ce que lui, il travaille? Oui, on travaille aujourd'hui, c'est merveilleux. Attendez, je suis bien avec lui. Hein. Ouais. Parce que elle, je m'en branle maintenant. Hein. Elle nous a fait des gosses, donc. On peut s'en débarrasser. Ah, Ziegenbala. Mais oui, Roger! Tu peux redire les prénoms des enfants? Nous avons Opaline, Pomme. Et le Hulk. J'avais oublié. Allez, remarquez, rien que pour le prénom, je serais tentée de le mettre dans les possibles héritiers. Rien que pour le nom, parce que c'est une référence directe si vous ne pigez pas. Non, c'est pas Marvel. Enfin oui, c'est Marvel, mais c'est Friends, surtout. Hein, voilà. C'est bien sûr. Parce que Friends et Phoebe qui veut appeler son enfant le Hulk. Non, c'est pas Phoebe, c'est Joey. Bon, de toute façon, Phoebe, Joey... Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, hein. Bon. Voilà, quoi. Hey. Le Hulk. Faut pas oublier le bébé 6 de Charles et Marcel. Tout à fait. Ah, t'as plus de points, Sianana. Voilà, ça va revenir, va. T'inquiète. T'inquiète, paupiette. Il va être trop beau, je suis sûre. On verra. Mais moi, je voudrais avoir une fille, bon sang. Oh, elle a été posée sa pêche toute seule, celle-ci. Attendez. Oui. Chazo! Hop, allez. Oula! Oula! Ça commence à faire les cabrioles là, à côté. J'ai Tyrion qui a commencé à vouloir faire la cabriole. Regardez. Il y a petit machin sur le pouf et grand machin sur la tour. Tyrion! Maman!
Je vous remontrerai quand ils feront la bagarre. Alors par contre, les nichons sont pas à l'ordre du jour. Hein. N'hésitez pas, sub. Oh, il s'est fait une douche pour Zizi. Incroyable. Bon, bah on attend maintenant qu'il aille bosser. Hein. Le Hulk. Ce nom quand même. Et elle fait quoi? Alors, Toya évidemment. Toya, nous allons travailler avec lui. Et salut Marina, comment vas-tu? Ouais, c'est, en fait, c'est une scène où c'est Phoebe qui le dit à Joey, on est d'accord? Je sais plus en fait, comme il y a les deux, je crois, dans la scène. Alors, parcourir la base de données. Mais qui est cette grosse vache à la coiffure vraiment pas sortable? Madame, faut arrêter de bouffer des chips, hein? Eh, casse-toi, toi. Toi, c'est toi qui va payer. S'il te plaît, tu t'en vas. Merci, au revoir. Voilà, allez, concourir la base de données de la police. Comparer les informations. Voilà. Tout ça, on va travailler, nous. Hein. Nous, on est un vrai inspecteur, hein, s'il te plaît. Mais t'es sérieuse, mon soldat? Tu es sérieuse. Déjà, voyons. Bah, bonne nuit, alors. On peut décider que mon fils n'était pas sécurisé. Mais quelle idée de se mettre en Wi-Fi! Vous savez, ça existe, les fils. Ah là là, les jeunes! Phoebe de choisir le prénom de notre troisième enfant de Frank Jr. et demande conseil à Joey Chandler. Joey propose le Hulk. Non, c'est Joey. Ah, je savais plus. Alors, je vais analyser une preuve, parler au chef et ajouter des indices. Alors, tu vas ajouter des indices, tu vas parler au chef, on va se faire engueuler comme un poisson de pourri. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, la grosse, là? Fais pas semblant de bosser, là, on sait que tu fous rien. T'as les nichons qui tombent par terre, wesh. Oh. T'as bien du courage, Martial. Ouais. Hey, wasabis. L'autre, il s'assoit à la chaise du chef. Le préfet met la pression. Alors, devinez quoi, petit génie? Je vais devoir vous mettre la pression aussi. Je veux des résultats. J'aime bien faire patron. Alors, tu vas analyser une prouve. Analyser une prouve. Ensuite, tu vas remettre des indices. On va voir si on peut faire autre chose. C'est pas possible, c'est vraiment que des feignants, hein, dans ce... Joanna Choi. Dommage, elle est mignonne. Oh, les pauvres flics. Oh, les pauvres flics, c'est toujours les mêmes, hein, ici. La madame, elle a accouché. Il est où, votre enfant, madame? Bon, elle est colère parce qu'on lui a enlevé son gosse. Par contre, l'autre, je pense que c'est juste du gras. Comme moi, quoi. Salut, ma vie, comment vas-tu? Cette barbiche nette n'est pas très réglementaire, chef. Ah, ça. C'est pas très à la mode, on va dire. Je suis tellement fatiguée. Moi j'ai un problème. Désolée. C'est que des fois quand je suis fatiguée, il n'y a que le coca qui peut me... En fait j'ai super soif quand je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi. Alors, Dieu que se portait un chemisier. Incroyable, c'est une femme alors. Et il n'y a que le coca qui calme ma soif quand je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi. Ça me désaltère pas. Je bois de l'eau, hein, mais ça fait pas. C'est pas. Je sais pas. C'est bizarre. Le gras, c'est la vie. Je suis pas sûre.
Bon, on va lancer un avis de recherche. Je vais pas faire les empreintes. Si je peux les éviter, on va pas les faire. Je pourrais ajouter des autres indices. Clac. Et clac. On va aller chasser du suspect après avoir chassé les fantômes. Poba. L'analyse a donné un indice utile à propos du crime. Incroyable du chlu. Alors. Dis-nous tout, Tonya. Le suspect était une femme. Ah, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que c'était une meuf. Et elle porte un chemisier. Salut Réline, comment vas-tu? Je viens de constater un truc marrant. Il y a trois streameuses qui viennent d'adopter un chaton qu'elles présentent sur le live bizarre. Bah écoute, c'est ici que tu l'auras vu en premier. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que l'influence Sims a encore frappé. Je plaisante. C'est la saison des chatons, hein, de toute façon, ça... Ça commence à popper maintenant. Oh, on est à Monkomo, Rebi, Rabi, Rabou. Attends, parce que là, il y en a deux qui ont... Ok. Il y a... Oh, maintenant, c'est celle-ci. Madame, fais pas genre, on sait que c'est toi. On sait que c'est toi. En plus, c'est typiquement le mot chemisier sur toi. On le voit que c'est toi. Ils veulent nous... Tu vois, ils ont dit, ah putain, c'est trop facile et tout, on va mettre des autres... Non, non. Madame, on sait que c'est toi. Madame, madame, hey, vous avez vu le suspect, ouais. Il vous ressemble, ouais. Alors, on va quand même regarder à quoi ressemblent nos indices. Une jeune adulte femme, chemisier short. On dirait... Les deux autres ont également une chemise et un short. Alors, jeune adulte, puis là, jeune adulte. Il va tous embrouiller, tu sais. Megumi, mais attends, elles s'appellent pareil les deux là. Megumi et Megumi, bah oui, d'accord, Megumi. Alors moi je connaissais Megusta, mais pas Megumi. Sharp Galmu, Ukaru, Kwambu. On n'a pas d'autres indices, hein, comme une couleur, un trait de caractère. Papa Kampo. Bah, tu me dis si tu l'as vu ou pas, là, mais tu me racontes pas ta vie, quoi. C'était innocent. Ça va, je suis en vacances pour la semaine. Ah, profite. Tu as bien raison. Hanara Yobaro Sherba. Non mais les éleveurs ça coûte un bras, Anne. Non, faut aller sur le bon coin. Ah, par là. Elle a dit qu'elle avait vu par là. Moi je vois rien. Vous avez vu quelqu'un vous? Ah, il est beau gosse, Toto, hein. Toya, il est beau. Maintenant que vous le dites, j'ai effectivement vu quelqu'un qui ressemblait à ça juste ici. Et toi, tu... Tu peux m'indiquer... On va croiser les informations, hein. Par là. Par là. Ah, il y a quelqu'un qui est mort ici. Par là. Moi je... Ah. Ah oui, il a grimpé, suspect. Ah non, je peux pas y aller. Je sais pas. Alors, regardez, je peux même pas lui poser la question. Ah si, pardon. De toute façon, je sais que c'est... Ah mais l'autre elle gâche tout derrière là. Avec sa vieille gueule là. Je voulais faire un screen pour ma miniature. Oh la gueule. Allez. Merde. Oh bah dis donc. J'ai raté. En tout cas il faut éviter les magasins. Ah non mais pas les magasins.
Marie, je veux venir. Enfin, si je peux. Parce que si c'est à 10 millions de kilomètres, ça m'intéresse pas trop, mais... Voilà, nous avons arrêté un susprout. Faire une heure d'exercice, interroger le suspect, discuter des théories de l'affaire. Non, on aime interroger. Il n'y a pas de suspect interrogé. Pardon ? Pardon ? Comment ? C'est une sale tête, toi. On n'a pas de suspect. Ah oui, elle n'est pas là. Bon bah, super ! Ouais ! Super les Sims ! Youhou ! Ça marche bien la carrière, on est content. Bah, on va faire autre chose, hein, écoutez. Je sais pas si où c'est, faudrait que je lui demande, mais viens. Et c'est le bug, le susprout s'est enfui. Elle s'enfuit. Bah il l'a même pas monoté pour de vrai. Ces femmes ne sont pas enceintes. Pas toutes. Ah vous aussi vous avez les susprouts qui disparaissaient? C'est pas cool. Bah regarde, il a fait une heure, mais il va continuer. Hein. Et sinon, ça va, vous? Tranquille, Emile? Ah, je vais finir ma manucure. Hein. Regardez ce beau vernis. Oh. Ah, 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 ah. Putain, il s'est cassé la gueule. Tiens. Ah oui, vous étiez omnibulé par mes fabuleux ongles incroyables. Vous en avez pas vu Toya qui se cassait la tronche. Le panier à salade est coincé dans les embouteillages. Alors, bon, eh ben écoutez, on va fouiller les criminels. Fouiller le susprout. On va... Tamati. T'as un nom chelou, alors c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'il nous cache de beau dans son pantalon? Écarte bien les cuisses, chérie. J'arrive. Bonne nuit, Lydie! Repose-toi bien. Mon challenge, je suis revenu 3 fois sans le suspect arrêté. Mais ça a marché, en plus, la dernière fois. En fait, ça marchait pas au niveau des maisons, il n'y avait pas de preuves. Et là, il y a eu des preuves, finalement, c'est le suspect qui marche plus. Attends, tu vas prendre les empreintes, wesh. T'as ma timété. Allez patrouiller. Oh, on s'en fout. Parler au chef. On va se faire engueuler, évidemment, parce qu'on a perdu le suspect en route. Oh, incroyable. Au pire que les élotifs, ouais, c'est discrimination avec le prénom. Ouais, je suis désolée, ils ont tous des... Il y en a qui ont des prénoms, laisse tomber, hein. Encore lui, ça va. Omar. Elle, c'est quoi? Ah, c'est Cyrine. Thierry, Jules, bon, ouais, oui, bon, c'est pas tout le monde, hein. Il y en a quelques-uns qui ont des prénoms chelous, des prénoms et des noms. Bon, lui, c'est, voilà. Mira Venkataraman. Eri Nakagawa. Rachid Al-Arabi. Bon, lui, ça fut facile à lire. Et elle, c'est quoi? Yuna Inoue. Inu. Yuna Inoue. Vous savez que vous êtes vraiment ingérable, Rainbow. Ah oui, faut être moi grand fou, ça m'excite. Ah, allez patrouiller, faire de l'exercice pendant 1 heure. Putain, mais sachant qu'il est... Lui, il est feignant, hein. Allez, tu vas faire un peu de boxe. On va faire gonfler les pecs. Ah, citoyen. On veut baver, nous, hein. On a bavé sur ton père, on veut baver sur ta mère. Oh bah t'es nul. Mais moi je ferais mieux. Tu viens de comprendre ce que c'était un susprout. C'est des étrangers en prison. Dis donc les Sims. Oh les Sims, et on sent raciste. Quelle horreur.
Le fouet, hein. Qu'est-ce qu'on dit pas comme conneries? Style de vie obtenu. Toya a débloqué le style dynamique. Dynamique. Et après, c'est le week-end. On va se faire chier avec les gamins. Mais l'enfer. Moi, je propose qu'ils partent en week-end sans les gosses. Ça vous va ou pas? J'ai pas envie de gérer les gamins. J'ai pas la foi. Je vais vous le dire direct. J'ai pas envie. J'ai pas envie de gérer les gosse, voilà, c'est comme ça. Alors, interroger le suspect, bah, j'en ai toujours pas. Aller patrouiller, bah, ça va me faire un temps de chargement pour pas grand chose. Et faire un rapport de police avec un civil, il y en a pas. Donc voilà, on va attendre que ça se finisse. Tu fais ce que tu veux, Toya, tu peux te mettre tout nu si ça te chante. Vacances? Le bruit des couilles qui claquent. Quoi? Le rêve d'un week-end sans enfant. Ah, c'est ananas, c'est la vie, ça. Ils iront chez leur cousin. Ouais, on s'en fout, on les fout à la cave en attendant. Je propose qu'on tue les enfants. Les gosses en vacances chez mamie, au wait, kappa dark mode. C'est ça, mamie, elle est dans le pot de, les pots de cendre. Voilà. On a cramé ses énoches. Un week-end seul à la montagne? Non, avec sa femme, histoire qu'il ait de quoi s'occuper, tu vois. Vous voulez qu'on aille où? Oh! En plus, on a une promotion! C'est merveilleux! Il gagnera désormais 31 simflouzes de plus par heure, soit 123 simflouzes de l'heure au total. Et également reçu un bonus, boîte à dossier, carton de déménagement pas encore installé. Dossier, je suis indispensable, c'est vrai. Tiroir de commissariat, respect des règles. Ventilateur baiser arctique. Lampe de bureau à manipuler avec précaution. Et 736 simflouzes. La neige, vous êtes sérieux? Vous avez pas envie d'aller au soleil, vous? Vas-y, Marie va faire le sondage. Maintenant, elle est sur téléphone. Non, c'est assis à Nana de le faire. Salut River Jazz, comment vas-tu? Agent River, bah, vous êtes tous des agents maintenant. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est mort de rire? Ah, il est débloqué. Oh non, bourreau de travail. Ah, ça va pas. Il va être relou. Il va être relou. Et en plus, ils sont en week-end 2 jours entiers ensemble. Là. Par contre, question, est-ce que le Hulk il va grandir ou pas? Ou est-ce que ça va décaler de 2 jours le fait qu'il grandit? Au pire, on le fera vieillir plus 2 jours plus vite, puis c'est tout. Que quelqu'un achète un sondage d'abord. Bon, moi, je l'achète. Mais j'ai pas mis de maison en location, je crois, à Soulani. Ça décale. Oh, c'est pas grave, je le ferai grandir. Là, il vient de naître. En gros, dès qu'on rentre, il grandit en bambin. Voilà, on va pas se casser le cul. Ah non, tu vas pas aspirer directement parce que ça me fait mal au cœur. Le petit lapin. Voilà, on l'a pas vu le meurtre du lapin, c'est super. Nous n'avons pas encore vu le meurtre du lapinou. Il y a la prisonnière qui m'envoie un texto, c'est normal. Et en plus, il a déjà la tâche de promotion de fête. Alors, attendez, je vous propose que... Nous allons sauvegarder. On va aller dans la... On va gérer les mondes. Je vais mettre une maison en location. À Soulani. Je pense qu'on va partir à Soulani. En vrai, c'est plus intéressant. C'est vraiment de la farniente. Ah, le sondage est lancé. Donc n'hésitez pas. Soulani, la montagne, la jungle. N'hésitez pas. Je vais déjà mettre une... Je vais quand même mettre un truc en location. Parce que de toute façon, à la montagne, il y a déjà... Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met celle-là? Bah là, c'est vrai que c'est moi et Martial, donc... Ah! On a eu un enfant, ça y est. Ma simself a accouché. Il y a toujours des gens qui habitent, hein, donc... bon. La famille Tyrion. Ah bon? Ou alors, on se met en location, là, et on vit à la dure.
Celle-là, elle est pas mal, en vrai. Non, j'ai pas de location partout. Sinon, le raid que tu as fait, non. Bah... Mais c'est pas à la plage. Vous voulez qu'on installe mon riad, plutôt? Parce que c'est pas dans le sondage. Ah, mais Oasis Springs, c'est quand même la chienlit pour y habiter. Mais on habite déjà Oasis Springs, en fait. C'est vrai, je suis con. Estrangerville. Ça colle pas trop. Hein. Sulani avec le riad, je vois... Il n'y a pas... À moins que je l'installe sur la terre, comme ça. Pam, pam. Oula, à la place du bar. Bon, je vais mettre ça. Je vais les faire partir. Merde. C'est pas grave. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. De toute façon, vous êtes 21 à voter pour Sulani, donc... Go voter, go mettre Sulani. Ah ouais, mais elle est vide. Je suis pas venue pour souffrir, ok? Et là, moi j'ai rien. Hein. Oh non, mais ça me saoule. Oh vas-y, ça me casse les couilles. Oh, j'ai pas envie là, ça me... Tellement classique, bah oui. Tu voulais aller où, Marie? Ah, oula. Et cassez-vous de là. Voilà. Cassez-vous. On réquisitionne. Bon, c'est pas là où j'aurais voulu, mais... Parce qu'il y a moins d'endroits pour se baigner et tout, mais c'est dommage. Oh non, River, j'ai la flemme. Parce qu'il faut que je trouve quelque chose qui me plaît, machin et tout. Et là, en vrai, regardez, voilà, c'est très bien. C'est très bien. Résidentiel. Location, on est d'accord, Sulani. Voilà, regardez. Plus on aura un battle avec. Parfait. Gérer les mondes, sauvegarder, gérer les mondes. T'as fait des locations, c'est trop tard. J'ai trouvé. Du coup, nous avons maintenant 402 Simfus par jour. Quelle honte! Non, j'emmènerai pas de bombe à Martial, c'est des vacances. Hein. Oui, Marie, je sais, je suis nulle. Adieu, Marie. Je t'aimais bien. Désolé pour les roues. Bon, et bah écoutez, on y va, hein. Nous, on se casse. Hein. Il va faire un câlin à ses gosses, et puis c'est bon, hein. Et puis, oh, casse-toi, hein. Oh, casse-toi, là, les gosses. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ouais, on verra bien. Alors que Miss... Miss Opaline grandit dans 3 jours. Et donc Pomme, bah elle dans 7. Comme ça on verra quand on rentre de vacances. Ah voilà un petit câlin, son papoupoune. Et l'autre est partie se coucher, bah c'est bien, bon, on se barre, on s'en fout. Allez. Non non mais elle veut pas de câlin, on se casse. On se casse, prendre des vacances. On part avec notre femme. Non non c'est trop tard. Casse-toi. Non non c'est trop tard, t'as pas voulu. T'as préféré ton lit. Moi, je négocie pas. Ils iront dans l'inventaire. Sulani. Sulani. On y va 2 jours. 2, 3, je sais plus. On verra. Vous habillez quelque chose, vous pouvez acheter des fournitures variées pour enrichir votre expérience de vacances à l'aide du téléphone, de la boîte aux lettres.
La nounou s'occupera de Pomme Opaline et le Hulk pendant les vacances. Ouais, c'est ça. Ils ont besoin de se retrouver, regardez. Ah, oh, eh. Eh, direct. Hein. Faire rentrer de vacances. Bah non, on va se battre. On va niquer, ouais, c'est ça. Allez hop, direct. On va tester la literie. Oh là là, madame. Madame, ils sont petits maillots. Sexy, hein. Les fessiers, hein, pour... Voilà, bon, on est là, sur, on est sur de la meuf, hein. Ouah, c'est joli, une meuf, quand même, hein. Oh, là, des tétés, hein. On voit ses tétés. Regardez des poupoules. Dommage, je peux rien faire avec les poupoules. Un indice. C'est un indice. Elles volent les poules. Elles volent. C'est des poules qui ont consommé trop de drogue là. Elles sont en train de voler là. Oui, je fais bien la poule. Parce qu'au fond de moi, je suis une bonne grosse poule. Avec le même QI. Allez! T'sais, ils sont à peine mariés, ils ont fait 3 gosses. Ouais, mais voilà. C'est le bord de la plage, tout ça. Il est où, Batal? On s'est fait poule, une... Poule, 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 dindon. Ça te rappelle des vieux souvenirs, Marie, le dindon? Moi, ça m'en rappelle un. Ouais, c'est pas le endroit que je préfère pour partir en vacances, mais bon. Écoutez, hein. J'allais dire, il a déjà fini. Oh, Toya va devenir adulte. Oh. Adulte. Alors, fais voir un petit peu. Oh, bah, on a bien fait pousser les petits abdos et les petits pecs, là. Oui, ça fait du bien. Alors, je sais pas où sont les chiottes, là. Ah, ici. Bon, bah, toi, tu vas faire la cuisine. Je suis horrible. Un petit tour en Batal. Ben, il n'y a plus le Batal. Ils nous l'ont enlevé. Il y avait le Batal là. Bon, il y a celui-là, mais je sais pas si on peut. Si. Mais ils peuvent pas y aller à deux, si j'ai compris. Bon, là, c'est le soir. Hein. Ils ont niqué. Ils vont bouffer. Hein. Dindon, 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 dindon. Bombe de table, lapin. Mais... Attends, pourquoi elle fait la cuisine là? Quoi, la cuisine? La cuisine, elle est en 2 parties, tu sais. Et merci, Eila Tana, pour ton follow YouTube. Enfin, l'abonnement YouTube, du coup. T'attends toujours de rejouer, oui. On se cale un jour pour jouer un. Un jour, j'espère, Marie. Oh, point virgule, O. Oh. Ça, c'est avec quoi qu'elle disait ça, Chantal? Oh, tu te souviens de ça? Il y a ta femme qui fait à bouffer. Il a pas confiance, hein. Voilà. Des gnocchis à la courge. Et courge, t'en as une belle en face de toi, regarde. Sinon, vous pouvez parler aussi, hein. Faire rentrer de vacances. Mais pourquoi? Mais non, c'est bien, vous êtes bien ici. Complimenter la tenue. Ah là là. Conversation profonde. Afflin Wadida. Être désirable. Partager des astuces de Sims sociables, parce que nous sommes tous des Sims sociables. Une petite blague, parce que femme qui rit à moitié dans ton lit. Comme ça, un jour... Oh bah, ouais. Pour cette semaine. Hein. O, point virgule O. T'arrives pas à envoyer de bits, Yanana? Mais coquine, parce que t'es une fille. Hana Dens. Oh. Essayer de faire un bébé. Non. Non. Shiloh,
Neve Baima. Neebs, Alcha. Binfahab. Oh, Bouchard. Quark. Pardon. Ah bah voilà. Tu sais que même en le tapant dans, le, dans l'espace chat, par exemple, tu fais Chir 1, tout attaché, ça passe, ça te valide en tant que en Chir. Au lieu de cliquer, machin. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait Hiya? Ah, il est fatigué. Ah oh, bah il a travaillé. Il a eu sa promo. Et là, elle a foutu de la journée. Va dormir, va. Demain est un autre jour. Voilà. Jour férié bagarre. Oh. Visage cool. Visage cool. Tu peux pas me déjouer dans tes bits. What? Ouais, va faire tes ablutions, toi. Ah, il la lit pas la baguette. Elle est bizarrement foutue cette maison. En fait, j'avais pas remarqué que là c'était la douche. Bah ouais, j'aurais vraiment pas voulu. C'était vraiment pas mon choix numéro 1 pour la. Elle le dit pas. Bah oui, mais j'y peux rien. Baguette. A little baguette. Please. Baguette de pain. Ah non, tu bois pas. Non. Tu bois rien du tout, putain. Ah. C'est bientôt l'anniversaire de le Hulk. Bon bah ils grandissent au final les enfants. Ah non, je regardais. Je dis ma, la petite elle va. Mais non. Tu vas nettoyer, puis après tu vas aller nager. Nager. Tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Ah ouais, carrément. Ah, Jamie s'est réveillé. Eh bah écoute, là il y a une bouée. Fais de la plongée avec un tuba. Ah, Totoya se réveille. On dirait qu'il a, il a largué un truc, mais en fait, non, ça va. C'est pas ébouffé. Quelle belle maison, hein. Ah ouais, sous le soul, bah oui, sous le soul, tu rigoles. Après, tu vas pipouser. Tu vas prendre un bon mousse. Et c'est qui, lui? Pourquoi il y a besoin d'être collé à notre baraque? J'avoue. Ouais, un bon petit bain, qu'est-ce que ça me manque ça aussi. Et c'est là qu'elle se noie. Non, ils peuvent pas. Malheureusement. Enfin. I don't remember, toi pas me faire la vaisselle, wesh. Va nager aussi. Va faire bronzer ton corps. Incroyable et musclé. Oh oui! Magnifique. Ah! Sortir canoë, aller pêcher, se détendre sur canoë. Activer voile fleur. Ah,
T'as activé voile fer. Ah oui! Naviguer sur. Ouais. C'est beau! Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais c'est beau. Regardez. L'homme dans toute sa virilité. Wow! Incroyable, hein? C'est magnifique, hein? Bonne nuit, Guillaume, des bisous! Faut qu'ils bronzent aussi, histoire de montrer qu'ils sont partis en vacances. Tout à fait, t'inquiète. T'inquiète, paupiette. Bon, malheureusement, ils sont là où il n'y a pas trop de flotte. Donc, c'est vrai que c'est beau, hein, cette histoire de pétale, là. Ça sert pas à grand chose. Mais c'est joli. Je sais pas si ils ont rien sur leur dans leur maison pour bronzer. Tché. Et là c'est non, il y a là. Se faire bronzer. Ah oui, c'est elle. Bah, toi, va te faire bronzer aussi. Va te faire bronzer en maillot de bain. Puis toi aussi. Ah, j'aurais dû le mettre sur. Genre, parce que. Il y a les pieds qui vont vraiment dans l'eau, en fait. Bon, oh, elle est déjà un petit peu bronzée, mais c'est pas grave. C'est quoi ça, quoi? Ils peuvent naviguer à deux? Non, ils peuvent pas. Je suis Vaiana. Éclate, hein. Et encore, il n'y a pas de jet ski dans le coin. Est-ce qu'il pourra faire du jet ski s'il veut? Non. Ah bon, ils peuvent nager là? Ah ouais. T'as pas peur par la profondeur, toi, parce que c'est un peu profond là, hein. Moi, j'irai pas. Bon, on voit le fond, hein, mais. Ouh, ça m'angoisse, moi. Ah, j'aime pas ça. Regardez les petits piou-piou. Petits piou-piou qui sont dans l'eau. Attendez. T'as fini, oh? Va aller bronzer. Je vais demander d'aller bronzer. Hein. Ah, et si, il est censé y aller. Ok, on va voir ça. Je sais pas où il va. Merde. J'ai perdu mon bouchon. Ah, il y a un chaton qui était là en dessous. Ah, oh, c'est trop loin. Ah, j'ai la flemme. Bonjour Monsieur Jamie. Bonjour Monsieur Jamie le pissotoir. Jamie le pissotoir. Je m'appelle Jamie et j'aime faire pipi partout, partout, partout où je peux. Je suis Jamie le petit capricieux qui fait pipi partout où je veux. Oh putain, elle par contre elle est en train de cramer. Ouh! T'as une belle couleur caramel au chocolat. Alors par contre, arrête de bouffer mes cheveux, ce serait sympa. Je...
Coucou! Regarde, là, c'est là qu'il faut que tu regardes. Là. 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 Il s'en fout. Oh! Là, il voit le jeu. C'est les Sims, t'aimes bien ça? Il va encore s'attraper les pattes et la queue, parce qu'il est un petit peu con. Ah, aujourd'hui, c'est pour sa journée, petit haut. Ce matin, il faisait le débile à courir partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber le radiateur qu'il y a dans ma chambre. Le radiateur n'est pas fixé au mur, en fait. Il tient, mais il n'est pas fixé au mur. En plus, j'y ai pensé, avec ses conneries, qui courent partout, il va se le ramasser. Il l'a fait tomber, sauf qu'il était en dessous. Ah oui. T'inquiétez pas, il est encore en entier. Et donc, je le regarde revenir de la chambre. Et puis, il marchait que sur trois pattes au lieu de quatre. Et puis, il avait sa patoune levée. Oh, bah, regarde-moi ça. Regarde, Jamie. Il y avait sa patoune levée. Et puis, il a commencé à faire... Je fais, ok. Je suis allée la maman en trempiste. Alors, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai pris sa petite papate, je lui ai fait des bisous magiques, il a fait des gros ronrons, il a eu un câlin. Puis après, il est reparti faire sa connerie. C'est quoi, Janka? Je connais pas. Il prend ses aises hein, quand même, hein, ce petit de semaine en semaine. Hein. Ton cul là. Puant. Hein. Alors, il est un petit peu au. Il est plus au soleil, donc je sais pas comment il bronze. Tu t'es. Fait sa vie. Oh, mais elle est complètement cramée. Hein. Qu'est-ce que tu traînes avec des gosses, en fait? En étant tout excitée comme ça? Non, tu traînes pas avec des enfants. Elle fait peur, elle. C'est un peu dommage parce qu'il bronze pas trop. Ah, si. Si, commence. Allez, vas-y, arrête. Et d'un seul coup... Est-ce qu'il va encore changer de visage? A priori, non. Vous vous souvenez, la fois dernière, il avait changé de tête. Ça avait été flippant. Et ben, apparemment, il est resté lui-même moins cramé. Hein. Il est moins cramé quand même. Oh, tu peux lui faire un coup, celui-là, non? Plus de choix. Michael. Méchant. Oh non, tu peux pas les... Oh... Je voulais qu'il fasse le truc avec la crème... madame... C'est Justine, qui est Justine du chat qui est là. Regardez comme elle se la pète un petit peu là, genre... Ouais, non, mais attends, tu me parles pas, quoi. Moi, je suis venue ici, je suis incognito, d'accord? Oh, bah écoute, va nager un peu. Va nager... T'envisages d'adopter Cersei aussi? Non, elle était pas... Elle était déjà prise. Sa sœur. C'est qu'il avait une sœur. Je sais que c'est Jamie, mais dans ma tête, ça reste petit machin. Oh, t'inquiète. Moi aussi. Non, Ricardo. Il en manque une, les modos. La première. Nage en fait, hein. Fais ta life, hein. Voilà, t'as raison, fais ta life. Allez, occupez-vous. Alors c'est bien ce qu'ils sont partis ensemble, mais ils font rien ensemble. Mais comme ça, pendant ce temps-là, je me tape pas les gosses. Et ça, c'est bien. C'est mes vacances à moi. Eux, ils sont en vacances, mais moi aussi. Tu vas pas boire de l'eau, petit con. Tu vas épiser. Enezouk. Et puis après avec ta femme, vous allez bouffer un peu, non?
Elle va venir faire la cuisine, elle aussi. Enfin, la vaisselle. Je vais y arriver. Tu reprendras un bain parce que j'ai envie que tu prennes des bains. La fin des vacances s'en termine dans un jour. Attendez, il est déjà dimanche en fait. Je pensais qu'on était samedi et dimanche. Je pensais qu'on était parti le vendredi soir. Donc tout va bien. Crac crac sous la cascade. Oui, la pub, c'est vrai. La pub de 30 secondes. Bien sûr, je remercie tous les gens qui verront la petite pubette. N'hésitez pas à le mettre dans le chat que vous voyez la pub, puisque ça contribue à mon incroyable richesse. Grâce à vous, je vivrai bientôt dans mon châtal. Évidemment. Où il me faudra 45 PC pour suivre les lives de différentes personnes. Merci. À tout à l'heure. On est parti samedi matin. J'ai rien suivi, moi. Elle va pisser. Ouais, bah vas-y, vas-y. Ah, et ton amoureux, il va mettre la table. Sophistiqué. Décontracté rouge. Pour un dîner en amoureux. Quoique non, attends. On va mettre ça sur la terrasse. Décontracté rouge. Toi aussi tu peux prendre un bain en vrai. C'est ça, c'est laid. C'est le truc de base ça. Tu me démarres à cette merde. C'est moche. Fête Bordeaux. Ouais. Bon. Il manque quand même la petite rose de la mûre. Là, tu vas pas aller. Ça suffit. Tu vas faire quoi? Je sais pas moi. Y a rien à faire. Non, tu vas pas faire à bouffer. Tu peux pas contempler l'océan et réfléchir à ta vie? Ce serait rigolo, ça. Enfin, l'océan. Wow. Ah! J'ai peur. Il m'a fait trop peur. Hâte de voir ce châtel. Salut Utopia, comment vas-tu? J'ai l'impression qu'ils sont arrivés, ils ont dormi et pouf, c'est dimanche. Mais c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé, Marie. Ils sont arrivés, ils ont niqué, ils ont dormi, ils ont été dans l'eau et c'est déjà la fin. Parce que bien sûr, on va repartir à la maison. Hein. Allez, viens ici, Jacqueline. Viens t'asseoir. Voilà. Discuter du travail. Non, complimenter la tenue. Oh, comme tu es beau, comme tu es belle. Oh, ma toute belle. Tu vas bien bronzer. Ibarra? Wig tall. J'adore rire. Dumbala was Susa. Draguer en racontant une blague. Oh, Tambra. Non, après tu vas appeler à table. Stroom. Strum, strum, garsha, garsha, flaga. Hey, merci Toudi pour ton follow, bienvenue à toi. Torkanu. Zorbite. C'est pas la pub pour les futurinaires en plus. Qua habin. Grune hispala. Solpada. Nuloi. Lumba clunkus essay. Qu'est-ce que tu fais toi? Il va dans mon sac à main, ce petit con. Regardez cette tête là, elle est là. Le rat. Arrête le rat. J'ai pas envie de t'être pissé dans mon sac à main, wesh. Pour l'instant, ça va. Regardez mon beau sac à main. C'est beau, hein.
Il va faire pipi. Qui? Je disais que je dois vous laisser demain, c'est tôt, prendre le train. Ah bah oui. Ah bah tiens, c'est sale. Ah bah fais le ménage, hein. Gwilden. Tu parles d'un dîner qui vire, qui est très romantique, hein, avec le plat qui a pourri en face. Oui. Non, non. T'arrêtes. Cuisine. T'arrêtes tes conneries. Cuisine. Cuisine. Vous le voulez qu'on ait 5000 euros. 5000 euros le chaton. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à bouffer, mais ça passe vite en rôtissoir. Hein. Vous entrez le comme ça et ça ressort ici. Vous voyez, hein, c'est pas mal. Bon, ça pique un peu au niveau des dents. Hein. Ça mange un petit peu, mais. Pendant que madame, elle fait la cuisine. Après, vous niquez. Petit con. Bonne nuit, la drôlesse. Des bisous. Il fait quoi, Toya? Je sais pas. J'ai pas fait attention. Tu parles d'un week-end. Ah, on aurait dû le prendre à 2000. Ben ouais, maintenant il montait à 5000. 5000 euros la brochette de chaton. Qui c'est qui l'en veut? Regardez. Il est inclus un jouet pour lui-même qui s'appelle la queue. Inclus bien sûr les pipis sur le canapé. Et sur tout autre objet qui vous sert au quotidien. Inclus le mâchonnage de cou, le mâchonnage de lèvres, d'oreilles, de nez, le matin, pour vous réveiller. Bien sûr, avant l'heure que vous devez vous lever, évidemment. Ah, oh, je suis désolée, Justine. Bah dis. Bah, fait. Eh, hey, il veut retourner ce. Faites crack. Siméon, mais casse-toi! Mais dis donc! Mais c'est. Ah, c'est pas une auberge espagnole ici, hein? MC Grossesse. Dû à des changements du nombre de Sims dans ce foyer. Bah, ça va pas changer, hein. Il n'y a plus de place pour un bébé dans ce foyer, donc la grossesse a été supprimée. Oh, la pauvre, elle a fait une fausse couche. Je suis le diable. Ah, cette tête. Je vais vous attraper. Avec mes griffes acérées. Arrête de me mordre le nez. Tu me mords le nez. Petit con. T'es bien Lannister, toi. Moi, je te le dis. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Piéger les toilettes. Mais non, mais dormez, bon sang! Vous êtes pas fatigué, non? À nager toute la journée et à bazailler. Non mais comme ça, quand je l'ai là, ça évite qu'il aille faire des conneries ailleurs. Ça va, Siméon, on te facturer la nuit, hein. Faut pas déconner non plus. Oh, 48 000. Attendez, on habite où, nous, déjà? Mais c'est, mais quoi, 48 000? Mais ça vaut pas bien, non? Bon, ben on va rentrer des vacances, hein. Faire rentrer des vacances. Ah oui, on rentre, hein, parce que ça suffit.
On doit travailler, nous. On doit travailler. Il bosse à 9h. Oui. Oui. Prends l'avion, va au boulot, hein. Hein? Espèce de petit crotte poilu. Cette tête. La nounou a déposé Pomme, Opaline et le Hulk. Ouais, c'est super bien passé. Qu'est-ce que j'entends? Elle s'est déjà chiée dessus, elle. Super. Magnifique, Pomme! Hein? T'es dégueulasse! Explosion nucléaire détectée chez Merguez. Alors, elle est cramée, quoi. Elle est cramée. Qu'est-ce qui se passe? Excite-toi pas, là, devenir parent, machin. En vrai, d'où il devait... Bah, va pisser, un gars. Il va dans les shots, il trouve que ça sent bon, lui. Alors, Manon... Non. Manon, nous ne l'accompagnons pas. Mais oui, Toya, oui. On s'en fout, on gère pas les gosses. Elle grandit quand? Non, c'est bon, ça a fait... Ça a marché pour les petites, elles ont vieilli. Hein. C'est tellement... Oh, oh. Bah, Merguez. Plus rien ne va, Merguez. Mais va bouffer, mon gars. S'en fout, les gars, ils vont aller chez la nounou. Ils n'ont pas fait crac-crac sous la cascade. Ben non, on n'était pas dans le bon quartier. Une location commune, en fait. Bah non, c'était pas ça, là, normalement, de base. Qu'est-ce que tu veux, chien, toi? Un maman est petit. Ah. Je vous dis, ce chat est une tornade. Mais encore, là, il est calme. Hein. Ah, t'es calme. Ça, il a besoin de dormir à force de faire s'exciter comme il fait. Regardez. Rien que ses propres pattes et sa queue, il n'en peut plus. Il chope tout. Hein? 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 Il veut me bouffer. Quel petit con! Oui, on rejoint. Il va y aller en maillot de bain, Toya. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je reçois les factures quand je suis en vacances, elles sont plus élevées que la normale. Oui, j'ai l'impression, Camille aussi. Et oui, petit Jamie! Petit con. T'es un petit con, toi? Oui, t'es un petit con. T'es un petit con de Lannister, c'est normal. C'est dans tes gènes. Tu peux rien. Prendre des photos d'identité, faire un exercice, interroger le suspect. On n'a pas de suspect. Oh non, dis pas que ça va être encore buggé là. On va lancer un avis de recherche. On va retourner la chercher. En espérant que ça fonctionne. Oh oui, ronronne. C'est super ce coup pour faire grandir les mômes plus vite. Si on veut. Tiens, tu vas te caler là? Bon, elle est là. Il y a les deux autres meufs encore. Hein. Je vais demander à elle. Peut-être qu'on s'était trompette, hein. Comment il est installé. Alors, je t'ai demandé de faire un truc avec cette dame. Tu le fais.
is a novadish. Yibs. Wobara Biara. Uh-huh. Jikinba. Shemaya. Aram Boya Suno. Alors, elle montre elle tout en pensant à elle. Bon, écoute, on va l'arrêter. Y'a pas de raison. Avec tes griffes, toi. Ouais, mais j'ai pas les mêmes fringues que d'habitude, là, Jenny. C'est un peu plus compliqué pour toi de caler là-dedans. Bon, ok. On va parler au chef, vu que c'est buggé. Parler au chef. On va voir ce qu'il demande après. Ça ne fonctionne pas. Oui, si c'est normalement, même si tu te trompes, tu dans ce cas-là, en fait, quand tu l'interroges, ils te le disent que c'est pas la bonne personne. Vous savez ce que vous êtes vraiment, un Gérard Renault. On va faire une heure d'exercice, après on ira patrouiller. Ah bah y'a déjà quelqu'un là. Faut boxer mon ami. Tour de boxe. Oh, Cyrine, elle a eu un coup de vieux. Shirley n'est pas là. Ah, nous avons une nouvelle recrue. Phoebe Halliwell. Ah, elle a changé, hein. Ah, elle est mignonne, hein, mais elle a changé. Plus le même style. Mes tripes me disent que c'était la bonne, Marie. La pisseur. Petit con. Ouais. Bon, dépêche-toi, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. On aimerait avancer un petit peu sur la carrière quand même. Ok, fais un rapport avec un civil. Est-ce qu'il y a des civils de disponibles? Oui! Elle a des grosses fesses, mais on s'en fout. Ah bah non. Ok. Eh ben, va patrouiller. Les couilles qui claquent. Pardon? Pam, 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 pam. Ah oui, on peut pas rentrer. Hé! Ah! Oh, ça fait tout bizarre. Elle est toute vide, la maison. Oh, les anciens. Je dis, mais il est parti se taper une sieste. Idiot, va. Il y en a qui se souviennent? Bah, c'est là où on a... où Pulco a grandi, oui. Mais c'était la première maison du Notre Sauberry. Qui était d'abord pour Pepper et ses enfants, si je dis pas de conneries, qui est devenue la maison de Bordeaux, qui est devenue la maison d'enfance de Pulcotte. Après, on a déménagé avec Pulcotte. Ah, c'est vieux tout ça. Alors, retourne au commissaire de émettre un procès verbal. Faudrait que je vois des gens qui se disputent. Là.
Reppy. Quasenex? Tibana. Sexy, monsieur, hein. Regardez, trop de testostérone, ce que ça fait à vos sourcils, beaucoup trop épilés. Et oui, vous êtes un peu dégarni sur le haut, hein, monsieur. Ça ne vaut pas du tout. Au tout début, oui, Mary Pepper était en appart, mais après, on a déménagé. Puisqu'on a fait la bataille des bastons entre les enfants dans le jardin. Le fameux brodo, oui, oui. Ah bah voilà! Alors, donner un PV. Oui, donner un PV. Ah bah oui, d'accord. Eh ben ça fera 3 PV. Oh bah c'est bien, il aura fait son quota, il aura une prime, hein. Et donne un PV. Et 3 PV d'un coup. Qui n'en veut? 135 euros l'amende, hein, je vous rappelle. Hein. Ah, c'est pas la même chose, pardon. Bon, il est où là? Oh là là. Mais tout ton temps aussi, hein. Après, on va pas se leurrer. On est à Strangerville. Le coin est joli quand même. Regardez, hein, ce petit passage. Oh là là. Avec le fond comme ça. Voilà. Oh. Waouh. Comment tu fais pour tourner ton bras dans ce sens-là, mec? Il est contorsionniste. Oh, ça fait mal. Rien que de voir ça, j'en ai mal au bras, dit. Je voulais faire pause pour que quand il avait le ticket comme ça pour la miniature, mais... Bon bah go, hein. Elastic Man. En plus ils ont pas de masse, bah c'est pour ça, 135 balles. Au moins on a fait quand même quelque chose. Interroger le suspect. Oh oui! On a réussi à la ramener. C'est juste la livraison. Le car, en fait, le car, il était un petit peu bloqué dans les embouteillages. T'as jamais remarqué qu'on entendait les aigles? Ah, bah tu l'auras vu chez moi. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Bonne absianana! Et bonjour à Siamari également. Oh oui, 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 nous allons l'interroger, c'est super, on est content, on va la cuisiner, cette greluche mal fagotée. Quelques photos du crime, mademoiselle. Puccini. Attendez. Preuve. Déclaration de témoin. Empreinte digitale. Ensuite, on va faire le méchant policier. Menacé avec des araignées. J'ai envie de voir ce que ça donne, moi. J'ai envie de voir Toya quand il s'énerve. Oui. On aime ça. Putain, mais pourquoi la porte. La table, elle disparaît. Moi, je veux voir la table, sinon c'est pas drôle. Bois, Bayville, Umpa, Fuifa Yulax. Qu'il est beau. Padish. Brumis Quintil, Dramas, Sabram, Alvar. Ah.
Je l'ai vu dans ses yeux, elle est coupable. On voit bien l'animation. Attention, la menace avec les araignées. La personne suspectée sans coupable, il est temps de la mettre derrière les barrales. Tout, 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 tout. Tyrion. Il fit son toc, Tyrion. Moi, je vous l'avais dit que c'était elle. Je l'ai vue tout de suite. Oui. Vous avez... Et c'est agent Shirley, hein. Vous croyez quoi? J'ai été formé, moi, par les plus grands. C'est même moi qui les ai formés. Ah, il me griffe les nichons, lui. Petit con, va. Affaire classée. Joli travail, cela fait ces criminels de moindre les rues. Mais malheureusement, le crime ne dort jamais. Il nous avait une autre affaire pour vous. Tu sais que tu vas bouger, toi, hein, si tu continues à me griffer comme ça. C'est pas possible, hein. Ah bah non, elle gagne pas sa vie, hein. Elle est nulle à chier, cette meuf. Eh non, pas patrouiller, non. Faire une heure d'exercice, parler au chef. Mon chef, alors... Ah. Il est où, chef? 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 Putain. Chef, il s'est fait la malle. Bon, bah, y a pas le chef. Bon, faire un rapport, il n'y a pas de civil, super, bon, il nous reste une heure de sport, alors. On va faire l'heure de sport. Un petit tourne. Ah merde, ça m'envoie patrouiller. Ah, madame la juge, tout à fait. Il est déjà rentré chez lui, bah oui, c'est ça. Il a avancé son... Ok. Nous sommes donc... à Selvadorada. Au musée pour patrouiller. Écoutez, je ne résiste pas à l'envie. Le jeu me le propose, alors oui, nous allons prendre une douche sous la pluie avec Toya. Si on a le temps. Eh non. Et 1446 simflouz empochés. Oupsie, on n'a pas le temps de voir le zizi de Toya. Je suis désolée, les enfants. Faudra revenir une prochaine fois. Oh non. Encore les gosses. J'ai pas envie de m'occuper des gosses. Ouais, elle devrait grandir rapidement, hein. Dans un jour. À tout parti. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Papa, papa. Ah, à côté d'une histoire drôle. Après, bon, elle est blonde. On parle une pomme. Pomaline. Opa pomme. Opa l'homme. Popaline, opa pomme. Ça va, je te dérange pas. Lui, s'il pouvait passer sa vie collée sur moi. Hein. Il dirait pas non. Ah, et toi, je vais te poser. Hein. Celui-là, tu... Il s'endort. Il me griffe les nichons, wesh.
C'est pas parce qu'ils servent pas que... hein. J'ai des griffes. Chier. Oh là 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 là. Il y a juste elle qui pue un peu. Maman, je peux éteindre les pinces, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est, maman? Tu peux me laver la foufouette? Ah, Zigambala. Allez, c'est l'heure de la pub, 60 secondes, c'est ça? Déjà? Ah oui, 22h30. Mais bonne nuit, Marie! Dors bien! À demain, je te croiserai sûrement. Quoi? Ok. Ah, c'est sa sœur. Des bisous, Marie! Et je vais passer en même temps la pub de 60 secondes, puisque ça a été réclamé. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous la voyez, puisque vous allez contribuer à mon incroyable richesse, tout ça, mon château, tout ça, les vacances à Bali, tout ça, tout ça. A tout de suite. Et tout ça, tout ça. A tout de suite. Mais de où j'ai le son, là? Ça veut dire quoi, cette histoire? Alors, lui... Il m'a griffé, ça va, qu'il s'appique, wesh. Et il ira à la douche. J'ai cru avoir entendu le portail, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Ouais, elle joue. Ah. On se croira un couloir du bahut, wesh. C'est ça. Et de toute façon, cette gamine est censée être indépendante. Elle sait pas prendre une douche toute seule. Pas d'hiver. Il y a plein de bouffe là. Regarde. Paf. Tiens, viens manger. Et elle, là, elle a pas faim par hasard? Si, elle va bien bouffer. Enfin, elle a pas trop trop faim, mais elle viendra bouffer quand même. Alors, mon chaton. Merci beaucoup, natif du 62. Wesh, le pape cal, comment ça va? Tac, 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 au dac. N'importe quoi. Merci beaucoup pour ton Prime Gaming, pour ton abonnement Prime. Gros bisous à toi. Et Smiley Boo, merci beaucoup pour le soutien. Pub avec la plage. Ah, merci Camille pour cette incroyable dévotion. Merci beaucoup à toi. Tu viens dire bonjour. Ah. J'allais dire, elle va se coucher, mais non, elle va s'occuper de son fils. J'avais oublié qu'on en avait fait un troisième, dit. Brr. Brr. Salut Latif, comment vas-tu? Dis rien. Non. Je vais vous ramener le titi. Viens là, gros cul. Chaton, viens là maman, viens là maman, tu veux pas sauter, tu veux pas sauter, tu veux pas sauter le titi. Il s'est planqué là, il veut pas sortir. Mais j'ai une technique moi pour le faire sauter. Merde. Oh non, il recrie. Manon, il recrie. C'est le jouet. Grand chaton. Bonjour Titi Moon. Oh, t'es gros. Qu'est-ce qu'il est gros et lourd par rapport à l'autre, hein. Oh. C'est un peu plus compliqué de le tenir dans le décolleté, lui. Hein. Ah mon Titi.
Salut Coralie, ça va bien et toi? Tu peux bouffer puis tu iras dormir. Elle a fait sa vie. Mais lui, il fait le ménage. Bah non, tu vas pas faire le ménage. Tu vas pas faire le ménage, Titi. Bah déjà, en plus, il bouge pas. Qu'est-ce qui t'arrive, mon titoune? Ça y est, tu veux partir? T'as dit bonjour aux abonnés? Ils te voient plus, les abonnés. Oh, mon Dieu, cette petite bouille d'ange. Coucou. Moi, c'est Tyrion. Oh, mon titoune. Tu veux marcher sur le clavier? Vas-y. Il est parti. Oh bah c'est bien. Mais regardez Manon. Je la laisse faire. Elle s'occupe mieux des gosses que moi. Nous on va regarder Toya qui regarde la télé. Oh il regarde Iowa Jones. Non. Jacqueline Jones. Non. On n'a pas eu la marche comme ça qui marchait tout doucement en vrai. Quand on était en Égypte. Ah la Germain la momie. Trop bien. Pourquoi les gamins ils mangent pas? C'est acté. Elle fait quoi? Elle va dormir. Oh, indice. Prochain pack, c'est les loups-garous. Titi d'amour, bah oui mon titi d'amour. Petit chaton. Un gros chaton maintenant, mais... Il était la même taille que Jamie quand je l'ai eu, hein. Donc il était une petite crotte qui tenait dans la main. Hein. Il a bien grandi, va. Aura-t-on l'Egypte dans les Sims 4? Eh ben, bonne question! Mais même ça, on l'a pas fait, nous, avec la Chine, là. On n'a pas fait ça. Ah, il a perdu son style de vie, célibataire épanoui. Bah, ça tombe bien, parce qu'il est marié. Il est marié avec trois gosses. Donc, oui. Et pour Chimi, qui a acheté un mari à putain d'un poids. Comment va bébé chat? Ah, j'allais dire, il dort, mais non, il s'est réveillé. Parto. Trouver un joujou, hein, donc... Si vous avez un chat, n'achetez pas de jouets, ça sert à rien. Prenez ce genre de conneries. Il adorera quand même. Du coup, je sais pas où il est. Ah, il est derrière. Je joue avec Titi. Je vais jouer avec sa maman. C'est quand tu fais pour bouffer, toi, sale gosse. Ça y est, elle a mangé. Après, t'iras aux toilettes. Pour une fois, Toya, comme il est pas fatigué, il va faire la vaisselle. Je joue avec Titi, hein. C'est pour ça que j'ai le bar qui se balade. Content. Il dit jouer avec sa momo. Hein, Titi? Hein, Titi? Il veut pas. Monsieur, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est Jamie Croquette. Il fait n'importe quoi, c'est Jamie Croquette. Lui aussi, il aime bien. Sauf que si je le fais trop avec toi, Titi va être jaloux. J'ai vu Titi, j'avais Sparrow dans les bras. Je ne pouvais pas écrire. Ton chat, il s'appelle Sparrow. Comme Jack Sparrow. Viens, mon titou. Lui, ouais, il a une petite couleur sympa. C'est entre le gris et le beige. C'est un peu bizarre, mais... Regardez-le. Tiens, pour
gamin. Et tiens, va jouer. Va tirer à dormir, Jacqueline. Ah, ça y est. Il y a Titi qui va se plaindre. Tu vas te coucher après. On va... Cool, il travaille. Ça suffit. Voilà. Je crois qu'ils s'aiment, ces chats. Ça se passe bien. Mais elle dort où, l'autre, là? Ah, mais elle dort pas? Mais laisse tes gosses tranquilles. Je t'ai demandé d'aller te coucher. Ah, c'est pas vrai. La pauvre gamine, elle dormait pour... Oh, oui, il fait un cauchemar. Si je fais des cauchemars, je fais pas chier le monde pour autant. Oui, ça fait tigré, oui. C'est Chat Sparrow. Ah, j'aime bien. Je valide. Bon, Jacqueline, tu vas sauter? Le Hulk. Célébrer l'anniversaire d'Opaline en faisant une fantastique fête. Le Hulk. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle va bouffer. Le Hulk. Ah oui, on n'a pas payé les factures. Quelle tristesse. Elles sont toujours de 40 000 balles? C'est logique. Petit tour sur ici, hein. C'est... Hein? Facture? Moins 60 000! Taxe du terrain, 11 000. Facture impayée, 48 000. Mais quoi? Et c'est un blondiné, c'est pour le petit Hulk. Il a les yeux de papou, et il est blondiné au sou. Le Hulk a grandi. Attention, pam pam pam. Le Hulk s'est levé devant vous, émerveillé. Il a une bouille, par contre, il est choupi. Hein. Partir en vacances, oui. Mais je vois pas le rapport entre 60 000 euros, 60 000 simflous de dettes. En vrai, là, je vois pas. Mais c'est n'importe quoi, ces factures, en vrai. Il est cute, hein. Il est mignon. Je vous rappelle que Toya était disgracieux quand il était petit. Il était pas beau. Si lui part bien, j'ai peur pour la suite. Hein. Le Hulk a vieilli, elle sera 1, 2, 3, charmeur. Et ben voilà. Ça en fait 3. Ben mon gars, tu peux déambuler, hein, parce que tu auras que ça à foutre. Oui, on a compris. Et ben c'est bien, ce qu'on pourra refaire les chambres pour la prochaine fois. Parce qu'il y a elle qui va grandir déjà, donc elle va devenir enfant. Le Hulk a vieilli, oui, ça on a compris. Elle va devenir enfant, là. C'est cool, ouais, ça va, il nous reste un peu de temps. On va aller au travail. Qu'est-ce qu'elle fait? Puis les factures. Et puis on fêtera l'anniversaire de notre première petite fille. Comme quoi, finalement, partir le jour et demi, là, en vacances, ça a fait vieillir les gosses quand même, hein. Le Hulk alias Boubranner a l'air bananaire. Non, le Hulk alias le Hulk, tout simplement. Ça suffit, là, les amoureux, là. Zut, hein. Le Hulk, c'est le Hulk. Le Hulk, c'est Friends. Ah, mon titi? Oh,
petit bichon. Il a les yeux comme des soucoupes, il s'est réfugié sur son pouf parce qu'il y a son petit frère qui l'embête. 48 000. On va repasser sous la barre des 100 000, ça ne va pas du tout. Eh, à quand le million, là? C'est quand la... C'est pour ça que je vous ai dit que je voulais pas m'occuper des gosses aujourd'hui. J'avais pas vraiment, vraiment pas envie de me prendre la tête avec ces saloperies de bêtes. J'en ai déjà un qui me dit de la vie dure ici, alors. Petit con! Il a faim, bah c'est pas mon problème, hein. T'avais qu'à pas naître. Si t'étais une fille, tu saurais déjà descendre les escaliers. Alors, poète, poète, camembert. Ah bah, il a encore vieux grandi, allez, tiens. Il est adolescent, hein, vous voyez, maintenant. Ils sont que bambins. Oui, oui. Oui, enfin... J'ai déjà eu ceux du Legacy il n'y a pas longtemps, excuse-moi, mais j'ai encore du mal à... Non, tu lui donnes rien du tout, tu te mêles de ton fion, et lui du sien. T'as une femelle, elle le fera. Voyez, regardez notre fille Pomme. Elle est à peine bambine, elle s'est déjà grimpée aux escaliers. Moi, je vous dis, c'est bien. C'est les filles. Les filles, c'est mieux. Voilà, ça a été prouvé. Les filles, c'est... Par contre, c'est quoi ton menton, là? Non. Allez, le jeune adulte. Dis donc, hein, il est précoce, hein, ce gosse. Hein. Oui. J'ai vu le cas vieilli. Bon, tu déambules ou quoi? C'est le dernier, hein. J'ai toujours moins de patience avec les derniers. Ça va, tu vas pas les revoir avant mardi au moins? Mais non, même pas. Ben, mardi, non, parce que si vous voulez, c'est la sortie du pack, donc non. Mais de toute façon, ils ont grandi, ils sont devenus adolescents, donc je suis un peu plus tranquille. 3 sur 4 sont ados, donc. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Ouais, mords-moi, ouais. Mords-moi les doigts, ouais. Petit con. Manon, non, on ne rejoint pas. Là-là-bas. Ah non! Il y a des lapins qui vont manger notre bouffe, que j'ai mis par terre pour que les enfants se nourrissent d'eux-mêmes. Parce que je suis une bonne mère. Bah quoi, je fais comme les chats, moi j'ai des chats. Je suis une maman de chat, bah voilà. En vrai, je fais comme les chats, hein. Je mets par terre et ils se démerdent. Hein. C'est pas comme ça que ça marche? Tu vas rien jouer? Tu vas marcher sur le lapin. Lapin? Tiens, ça. Et parti. Lapin. Pas le petit lapin. Ah, ça, c'est Jamie qui essaie de grimper à mes jambes en sautant. Donc, il y a que ses griffes plantées dans ma chair. J'ai les cuisses remplies de... Regardez. Et ici, c'est quoi, ça? Voilà, vous allez mieux voir, là. La belle trace rouge. Je suis martyrisée par des chats. Ouais, direct. Hop. Vu comment Tyrion a les yeux rivés sur un endroit, il peut être que à cet endroit-là. Je sais pas. Allez, dernière journée de travail pour aujourd'hui pour, j'allais dire le Hulk. Ah,
le chef est là, se faire signer une affaire. Allez, toi, t'es vieux, tu dégages. Il y a de la discrimination. Je m'en fous. Est-ce que Shirley, gros cul, est là aujourd'hui? Non? Elle a posé son jour. Et Astray? Non, elle est Astray, elle est pas là non plus. Il y a beaucoup de roulements quand même dans ce commissariat, ça ne va pas du tout. Se faire signer une affaire. Oh, Jim. Deux? D'accord. Oh, Lampima. Papa, papa. Who's like Jeff now? Turful Peripana. Kirasha Yabasani. Oui, c'est bon. Fais-toi signer une affaire et tu te tais. Allez! Braval! Alors, parler au chef, comparer les informations et parcourir la base de données. Parcourir la base de données, comparer. Alors, tu vas comparer des trucs qui n'ont rien à voir parce que c'était déjà des trucs de la dernière fois, mais c'est pas grave, ils vont comparer quand même. Tu peux faire une famille à Stray? Non! Fallait pas choisir un truc? Je me souviens pas, Ricardo, tu me posais des questions pièges là. Tu sais bien que moi, quand je joue. Les lives, je vais. Je suis en mode. J'ai oublié ce que j'ai dit il y a 3 secondes et demie. Salut Melba! Bah salut ma belle! T'as la pêche, Melba? Parlez au chef. Et discuter des... horrible affaire. Des ragots juteux sur Charlotte. On ne sait pas qui est Charlotte. Charlotte, Charlotte. Elle a des grosses... Charlotte, Charlotte. Charlotte. Combien de temps cela vous prend-il pour résoudre une affaire? Vous le faites exprès de traîner. Je veux des résultats, Rainbow. Et je les veux pour hier. Je voulais regarder, c'est ici. L'arbre généalogique. Ah, Charlotte, c'est la fille de Dahlia. Et Melba a une petite Alexandra et un petit Stéphane. C'est pas mal, tout ça, c'est pas mal. Attends, c'est Nunu. C'est Nunu. Et Pepper, elle est là. Pepper, Bordeaux, Pulcote, Nunu, Lila, Cop Cop, Cham Cham et Totoy. Oh putain, ils ont les cheveux rose fluo. Ah, l'arbre, il est pas terrible, hein, l'arbre généalogique. Là, il est... On a perdu beaucoup de monde en chemin. Il y a beaucoup de blond, hein, d'un coup. Il y a un peu d'orange et du rose. Et du saucisson. Une éternité que j'ai pas mangé une pêche belle boc. Que bon souvenir. À force, je finis par connaître par cœur les répliques du chef. Moi aussi, Iruline. Ah bah tiens, t'as un PC. Ouais. On va pirater le PC du chef, rien à foutre. Rien n'affiche! Tatsuya Okada, ça, c'est peut-être un descendant de Daishi, hein? Ah, son frère. Dag Dag. Benarb, Yelskarbish, Sassare, Busharb, Sistum, Benarb, Pelka, Pekopsa. Je ne sais pas où sont les chatons. Oh, palier d'Athènes, le niveau 3 de la réflexion. Et après, on va aller sur la scène de crime. Je vais commencer le tableau. Puis on ira investir la scène. On ira prendre des photos, tout ça. Muchipichi? Est-ce que vous aussi, vous Muchipichi?
Wafa Kukulai. Kukudon Imblippa Joint. Ok. Ouais, ça va, c'est le cul. Ah, Marmina va y se coucher. Les indices ne sont pas buggés. Oh là 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 là, je suis tout émoustillée. Ah oh, nous sommes dans les hauteurs de Del Sol Valley, dans les grandes. Alors la maison est tellement moche l'extérieur. Dans les grandes baraques de Richou, hein. Si on cherche, on va peut-être trouver Marie. Il y a des tags de partout, par contre. Hein. Accueillir la déclaration d'un témoin. Prendre une photo. Prélévélation d'indice. Ça doit être une témoin. Voilà. Tu nous fais bailler. Alors, eh ben, vous savez ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est complètement con. Mais si vous arrivez à bailler, c'est que vous êtes sûrement pas psychopathe ni sociopathe. Bienvenue. Je suis de toute évidence absolument pas psychopathe. N'en déplaise aux mauvaises langues. Et vous êtes trois dans le chat à ne pas l'être non plus. Bravo à vous. Si YouTube aussi vous avez baillé, n'hésitez pas à bah, vous savez que maintenant vous n'êtes pas sociopathe et ni psychopathe. C'est une bonne chose, hein. Putain, par contre, il y a plein de merde partout, hein. Il y a plein de merdasses partout. Alors, ils nous veulent un autre truc de témoin. Mais où est donc Ornicard, comme on dit. Parce que pour l'instant, je ne vois qu'une seule personne. Le coffre a été vidé. Ah, c'est ça. Yeah, c'est une trop grande baraque, monsieur, madame. Ah, elle. Natalie Stewart. Avec deux S. Stewart. C'est comme Martial. Là, c'est Natalie Stewart. Ah non, avec deux T, pardon. Stewart. Stewart. Oh, c'est difficile, wesh. Rassurée, du coup, j'avais un doute. Mais oui, mais c'est ça. J'arrête pas de bailler en Amazonie. Tatsuya n'a pas fourni beaucoup d'informations, mais peut-être que cela est quand même utile pour résoudre l'affaire. C'est qui Tatsuya? C'est lui? Bah, faut le virer. S'il est nul à ce point, obtenir une autre déclaration? Bah. Stewart! Pourquoi Juliette? Juliette a raconté ce qu'elle a vu. C'est Nathalie qu'elle s'appelle. Et Cathy. Vas-y, on va interroger Cathy Brockman. Brockman? Ou une jolie rouquine. Je l'ai vu, c'était un jeune garçon adolescent avec un t-shirt. Et il avait les cheveux noirs et il portait un pantalon. Et il était sociable. Enfin, sociable, non, mais il était pitre. Allez, retour nationaux. Oui, c'est ça, on sera nettoyé. Moi, j'avoue que je ne jouais plus au Sims, c'est à force de te regarder jouer, je me suis remise, je regarde pas. Ah, ça fait plaisir, MCM. Bah, après, tu sais, moi, j'ai aussi beaucoup de mal à jouer au Sims si j'ai pas d'objectif. Et en vrai, les challenges, c'est ce qui est pour moi le plus motivant. Et ça, je l'ai toujours dit. Alors sujet, mais est-ce qu'on déménagera de nouveau? Tout à fait, Ruline. On s'est dit qu'on allait finir de vivre à Soulani avec le Notsoberry. Donc là, on fait la génération là où on est à Oasis Springs. Et que probablement, la génération verte et bleue, qui sont les deux dernières, il y a moyen qu'on les passe à Soulani. Ah!
Oh, regardez la grosse dondon. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va jouer à l'ordinateur, elle va jouer Sims, hein, bah oui. Hein. Allez, patrouiller, comparer les informations, ajouter des indices. On va ajouter des indices. Parce que de toute façon, tous les indices sont encore squattés. Donc. Et si je mettais encore plus d'ordinateurs dans ce commissariat, est-ce qu'il y aura encore plus de monde devant? Là est la question. C'est pas demandé dans les règles, mais bah, oui, mais on se dit qu'on pouvait. En fait, on va. Quand c'est pas demandé spécifiquement, on peut quand même le faire. Tu vois, regarde, au tout début, si je dis pas de bêtises, on nous a pas demandé d'aménager où que ce soit avec Pepper. On a choisi un appart pour changer, et puis quand c'était un peu petit, bah. Il déteste ses enfants. C'est peut-être moi alors. Le suspect. On s'est un peu petit, on a finalement bougé, et puis après on a suivi certainement les règles, mais des fois on s'est mis à bouger alors qu'on s'était pas spécialement demandé. Pauvre Charlie Sims, elle est si chou. Ah non, c'était une femme! Oh, fichtre. Avis de recherche disponible? Déjà, vraiment? Attends, tu vas analyser one proof. Échantillon, vas-y, go. Je sais pas où ils sont les deux. Vous pensez qu'ils se sont entretués? Mais du charme, évidemment. Hey, don't know. Accélère un petit peu. Ajouter des indices en... En indice réussi. Excusez-moi. Comparer les informations. Bah toi, tu t'en vas, hein? Je suis désolée, hein? C'est triste, mais... Tu... Ah, ouf! Oh, la gueule. Tu vas être mise au chômage... Au chômage? Tu vas... voilà, hein? C'est dommage. Je suis désolée pour toi. Mais Toya, il a le droit d'être sur le PC. Quand même. Il travaille, lui. Hein. Ajouter d'autres indices. Ça en fait des choses à faire. On peut le bloquer, l'ordinateur? Ah, bah sinon, je les ai retrouvés. Ils sont derrière moi. Ça suffit, Tyrion! Je comprends pas. Tyrion, il le menace de tous les côtés. Finalement, c'est le premier à aller voir pour jouer. Je trouve. Jeune adulte, femme, qui déteste les enfants. C'est quoi tes traits que je t'ai mis déjà? Je suis pas sûre. Là, j'ai un doute. Tu vas pas boire de l'eau? Hors de question. Patrouiller, comparer. Ah ouais, bah oui, ils ont resquatté les ordinateurs. Hein. Ah non, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est dispo. Ah, travailler à l'accueil. Oh mais non. Bah, tu vas analyser de preuve alors, Jean-Claude. Avant d'aller patrouiller, s'il faut vraiment aller patrouiller. Quel pif. Salut à toi, Utopia, bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Ajouter des indices. Oh. Ce qui est formidable dans les Sims, c'est qu'ils considèrent que quand t'es habillé, tu as toujours les mêmes fringues. Genre, tous les jours, tu as les mêmes fringues. Je te raconte pas. L'odeur là-dedans. Va pisser. Aller sur la scène de crime encore? Margot. Ouais, retourner. Est-ce qu'on sera encore à Del Sol Valley? Je suis sûre que non.
Ils n'ont pas tous. Je leur ai décidé, c'est ça le pire. On est où? Oh oui, d'accord. Oh, putain, mais j'ai dû aller qu'une seule fois dans cette maison-là. Chercher des indices, vas-y. Oh, la télé, elle est cassée. Oh, rechercher des empreintes. Une peau de banane. Incroyable. Arrête, c'est mes indices à moi. C'est moi qui travaille. Toi, tu travailles pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait attaquer. Toi, empreinte digitale. Par contre, ils aiment bien casser les choses. Hein. Et merci à Lowen pour son abonnement YouTube. Merci beaucoup. En plus, ils sont un peu bêtes parce qu'ils laissent leurs empreintes un peu partout. Puis on va retourner au commissariat avant la fin de la journée. Oui, ce sera nettoyé. On sait déjà qui c'est. C'est une femme, elle a les manches longues, elle déteste les enfants. C'est pas vrai, je suis pas jeune adulte. Moi, je suis vieille. Tu vois, je me demande s'il se passe des trucs chelous. Alors, voilà, lancer un avis de recherche. Écoutez, on va lancer un avis de recherche. Non, on va pas le faire tout de suite. Parce que là, il finit dans une minute, donc... Et c'est parfait! Et puis il va rentrer chez lui. On va faire l'anniversaire. Parce que je pense que la petite elle doit clignoter. Puis ce sera bon pour nous quoi. Ce sera bon pour nous, ouais ouais. En espérant qu'il y ait un gâteau tout prêt. Non, ils ont tous été bouffés, sauf s'il y a encore les bougies. Oui, 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 il y a les bougies. Il y a les bougies. Plus de choix, aider à souffler les bougies. Ah, Opaline. Ah, Opaline. Alors, toi, tu viens, en fait. Tu peux venir. Oui, bah, tu mangeras après. Oh là là. Si tu veux, tu fais le ménage, hein. Il y avait à bouffer là, là là. Toi aussi tu peux manger. Va manger. Et lui. Il est reparti faire le con là-haut. Il en est où Mouvement, il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. C'est l'anniversaire. Ça y est déjà. Ah bah voilà. Je suis pas prête, j'ai pas noté la génération verte, qu'est-ce qu'il faut être. Attendez, je vais aller voir sur internet. Pour les traits de cette paupiette. Je m'attendais pas à ce que l'on soit déjà à ce moment-là. Ils sont en train de se castagner la gueule à côté, là, les chats. Ça suffit, Titi. Alors, vert, génie de l'informatique, trait de caractère délicat, geek et joyeux. Délicat, geek et joyeux. Dieu, mais quel bonheur! Nous avons geek, nous avons délicat. Écoutez, on va commencer par les moins chiants. Hein. Joyeux. Et elle sera... Hop. Bah, j'ai cliqué sur... Voilà. Allez, bah... Mais... Bah alors, il a du mal, oui, Jean-Claude. Ah ah, la petite Opaline a grandi. Bonjour, je m'appelle Opaline. Je suis...
Je me présente au concours d'héritière de la génération verte. Et je suis contente. Attendez, elle est où cette coquine là? Oh, je m'appelle Opaline. Et j'ai les dents tout plein coquine et j'ai la bouche en forme de cœur. Attends, on va te juger toi, parce que de toute façon on juge que sur le physique, donc... Bon, elle a l'air mignonne, en vrai. Elle a l'air mignonnette. Tant mieux. Et puis, de toute façon, on la reverra la semaine prochaine, parce que là, comme ça, je vais finir là-dessus. Premier enfant de la génération verte qui a grandi. Relooking et compagnie, ce sera fait plus tard. Pour la semaine prochaine, sûrement. Elle clignote. Mais oui, bien sûr qu'elle clignote. Je vais pas regarder, c'est ça? Bah, pas pour moi, elle clignote. Tant pis. Bien sûr qu'on va lui remettre les cheveux verts, évidemment. Ce sera seulement, je crois, à l'âge adolescent, puisqu'il n'y a pas dispo avant. Et puis les loulous, ils courent partout, donc de toute façon, je vous laisse là. Allez, moi, je vous laisse là, YouTube. Merci pour avoir regardé cette rediffusion. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Des bisous. À très bientôt. Ciao.